Toujours pareil. Hein. Oh dis donc. Oh, comme ça, ça me brûle mon buzz. il parle chinois, là. Viens là, après. Oh là là, frère. Hey, salam alaikum, maîtrise et s'abonner, on se retrouve les amis aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, ça sera une réaction sur la nouvelle vidéo de Théodore. Donc voilà, vous étiez nombreux à me demander ça sur Instagram et sur Snap. Donc voilà, je vous la fais direct. En plus, elle sort, ça fait pas longtemps, ça fait 2 heures. Juste à la sortie, bim, il y a des gens qui sont venus. Ouais, Théodore, il a sorti une chanson. Mais c'était pas une chanson, donc voilà, c'est une énigme en fait. Ils m'ont dit c'est une chanson, je rentre, il y a 9 minutes, je comprends pas. Après j'ai compris le délire, tu vois, c'est que genre il va imiter des rappeurs, je crois, un truc comme ça. Bref, le titre c'est ce rappeur qui 3 points tirés, on va voir ce qu'il y a. Donc voilà, les amis, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez vraiment pas de vous abonner, d'activer la cloche, voilà, pour plus de vidéos. Mes réseaux sociaux, il y a que Insta et Snap, hein. Y a pas Twitter, Facebook, on n'est pas trop hein. Donc voilà, vous avez compris. Let's go. La fouine, 1m98, Booba, 1m92. Wesh, mais gros, ils sont tous énormes dans le rap ou quoi? Bah non. Ils sont tous énormes dans le rap ou quoi? Oh, ils savaient pas que la fouine, 1m98 quand même. Booba, oui, mais la fouine, frère, wow. 2 mètres le mec. Oui, Hamza. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, ce serait pas Gollery, un rappeur grave drill, tout le temps vénère, genre, mais tout petit. Attends, ouais, attends, avant qu'il imite qui que ce soit. Hamza, il est petit de taille, il maîtrise très très bien la drill. Leto, il est petit de taille, il maîtrise très très bien la drill. Impliqué, pareil. Y a qui encore? J'ai beaucoup de rappeurs en tête, mais là, de suite, ça sort pas, tu vois. Mais je connais beaucoup de rappeurs qui sont très très forts en drill, mais sont petits de taille. On va voir qui va imiter. Appliqué 140 cm. Je le savais, frère, voilà. Appliqué 140 cm, viser les petits rangs trottinettes, que de la grosse corde qu'on envoie en 6 mètres, que la taille de... Putain, la voix elle est vachement très très bien imitée là, incroyable. De ballon zipette, et plus succès j'ai plus trop de sentiments, dans ma poche là les sentiments, j'ai à la maternelle pour Nares, j'ai la taille parfaite pour Nares. Ouais. Ça, Nas, il le dit tout le temps, frère. Sur 3 chansons, il dit 50 fois ce mot, Nas, qu'il a envie de dormir le mec. Putain, détends. Imagine, tu vois, ce mec, il clash Booba, genre. En vrai, je pense, 2021, gros, les gens, ils ont la flemme, hein, c'est intéressant de clasher Booba. Et des gens qui ont pas peur, hein. Ouais, c'est vrai. Ce qui est clash Booba. Pas les couilles de tous ces rappeurs, je suis venu retirer leur part. Non, moi, j'aurais jamais peur. Vu les armes qu'il y a dans l'appart, t'es venu à part, pris tous un rapport. Je suis Napoléon Bonaparte. C'est venu faire un coup d'état, c'est à toi que je parle. Là, à toi je parle, il y a faim. Mais je sais pas qu'il est en train d'imiter exactement parce qu'il y a tellement de rappeurs qui ont clashé Booba. Donc, j'arriverai pas à identifier lequel là. Dites-moi, aidez-moi. Il y a faim, je sais pas pourquoi ils sont peurs de toi. Moi, je vais pas perdre de temps. Booba, viens là. Ouais, récemment c'est Sadek, mais c'est pas sa voix trop, tu vois. Même s'il aurait voulu imiter Sadek, tu vois, il met un petit bid, voilà, je sais pas, un petit effort. Mais là, je crois pas, je sais plus c'est qui. Ouais, ça finit toujours pareil. Hein. Oh, dis donc. Oh, comme ça, ça me brûle mon buzz. il parle chinois là. Viens là, après. Oh là là, frère. On m'a dit de venir chez nous, c'est quoi l'idée? C'était pas vraiment un clash en tant que tel, c'était juste une vanne. C'était pour Dahak, oui, il était sur... wow, c'est une poignée. C'était pour Dahak, ouais, c'est ça, ouais. Oh, il a raison, voilà, il a très bien fait. Frère, voilà, Théodore, c'est Mr. V en jeune. Tout ce que j'ai à dire. Mr. V, il est pas actif. Bah, il y a Théodore qui est hyper actif, qui fait des trucs sur le rap incroyables. Bah, limite, je le trouve qu'il est en train de s'améliorer de plus en plus et qu'il va tout déchirer, hein, frère. S'il continue comme ça, là, la vidéo juste 1 minute 30, je suis vraiment fan. Parce qu'il fait toutes les choses à balle, tu vois. Il fait pas les choses à moitié quand il veut. Tu vois, là, il imite Booba, bim, casquette, suite, tu connais, petite beubar. Voilà, la voix, il a tout. Voilà, je vais pas vous expliquer en détail, tout y est. Et ça, c'est très bien. Ça me fout. C'est quoi cette merde?
C'est un lourd à partir d'un certain moment, il est trop trop fort, frère. C'est sérieux? T'aimes pas? Mais gros, sois juste. Enfin, t'as des oreilles, mon petit frère, on est où là? Mais non, mais c'est que tu comprends pas, gros. Tu comprendras dans quelques années. Ça, c'est le mec qui est en avance, c'est tout. Le mec est en avance, enfin, il y a une différence entre être en avance et juste faire de la bonne musique, mon ref. Il y a une différence, genre, quel. Écoute de la musique, écoute pas de Tour vers le futur, mon ref. Qui est en avance? Qui on dit beaucoup qu'il est un... Là, je crois qu'il va imiter un truc américain. Mais bon, pour moi, celui qui est vraiment dans son délire, dans son... Ouais, vous le connaissez, hein. Normalement, vous l'avez déjà en tête. C'est Laylo, frère. Et là, c'est pas du tout Laylo. Que ce soit la voix, que ce soit les effets qu'il a fait là. En plus, ouais, en bas ce qu'il écrit, ça veut dire n'importe quoi, tu vois, il articule pas, il est en train de dire n'importe quoi, l'auto-tune à balle, voilà, Zama c'est le futur. Tu sais, il m'a rappelé qui là, QG, j'ai regardé la vidéo hier, c'était McFly Carlito, ils ont invité Kari, Scalash Rimi, Kano et tout, ils ont vu une hyper vidéo, oh elle était incroyable. Y a pas de gens qui m'ont demandé une réaction sur cette vidéo, mais je l'ai regardée même avant, genre, dès qu'elle est sortie, je l'ai regardée. Et du coup, voilà, même, frère, elle est incroyable. Ceux qui n'ont pas vu, allez-y voir. Donc c'est du lourd, voilà. Et là, bim, ça sort le QG. Ce mec est trop fort, il est trop chaud. En fait, les gens ils comprennent pas encore. Ça veut dire sur Twitter, là, les gens ils comprennent pas. Ils disent ouais, c'est qui ce mec éclaté, c'est qui cette fraude. Il est trop avant-gardiste. Dans 20 ans, les gens disent. Là, il est en train d'imiter exactement les fanatiques, frère. Tu vois, quand y a des rappeurs, ça se voit, ils sont hors-jeu, ils sont nuls. Tu vois, la plupart des gens ils aiment pas. Voilà, ça se voit, frère. Y a pas obligé de. Mais leurs fans, ils sont à balle dedans. Ils sont là pour leur défendre, même si, je sais pas, même si c'est de la merde. Ils sont là comme lui. Non, les gens, ils croient, mais non, c'est juste, vous comprenez pas le délire. Lui, il a ça, bim, bam, boum. Non. En vrai, cherche pas à comprendre, c'est nul. Voilà, ciao. Ouais, c'était un classique. Excusez-moi. Hein? Et du coup, on a toujours rien compris. Vraiment personne. Genre. Non, elle roule, voilà. Vraiment bien ce délire. Mais c'est un délire, c'est le mot. Hein. Ça s'éloigne bien des standards du rap, là, des mecs bien bressons, là, bien nerveux. Là. Tu sais, qui gardent tout le temps sa voix, il y a les couteaux. Genre, tout le temps. Gueule. Ouais, gueule. Ça lâche Trimi. Ou H22. Parce que là, il a montré les. Il a montré les petites armes blanches. À H22, peut-être Freeze. Parce que Trimi. Mais voilà, truc bresson, tu vois. Gang. Là c'est Ziak, directement. J'imagine ce mec qui garde tout le temps le même flow, genre tu sais dans la vie. Franchement il. Pff, incroyable, voilà je kiffe. Les gens tout le temps gang. Je vous prends deux steaks et une belle entrecôte. D'accord. Genre, y en a, bref, je sais pas si vous connaissez, il y a des histoires des acteurs américains qui restent bloqués sur leur rôle après avoir fait un film pendant 1 an, 2 ans, comme le Joker, si vous avez vu ou je sais pas quoi. Mais ouais, il y a des rappeurs, ils se créent des rôles et c'est bon, ils sont dans la vie quotidienne, ils ont tourné un clip, c'est bon, ils ont enregistré, mais ils sont toujours dans leur rôle, tu vois. Mais y en a, non, y en a, c'est déjà leur personnalité, ils sont comme ça. Et Zach, je sais pas. Mais bon, genre de parler comme ça. Ah, non, de entrecôte. Bref. Putain, ça c'était un vrai couteau. En vrai, c'est trop une mode. Hein. C'est une mode de fou dans le rap de reprendre des mélodies hyper connues pour faire des morceaux. Mais y en a, ils en abusent, tu vois. Y en a, ils abusent trop, frère. Trop marseillais. Djoule. Tu me mets la musique, je... Ouais, c'est trop classique, c'est pas bien. On dirait la musique que j'ai fait en 2015. Mais mets-moi les trucs
On voit, qu'il essaye, tu vois, il est en train de taffer l'accent marseillais, mais bon, c'est pas mal. Tiens-toi bien, j'ai fait le Michael, le Billie Jean, c'était bien. Et maintenant, venez en fait danser un petit peu la France, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais le Mario. Vraiment, des fois. On va refaire, mais moi je pense que c'est bien. Ouais, je pense que c'est bien. Ah, il m'a fait rappeler le classico organisé là. C'est dans un mois, les gars. Ça va être incroyable. Oh, même pas que je parle, j'attends que ça, frère. Une autre musique. Là, s'il essaye, là pour l'instant toute imitation était vraiment presque parfaite, mais là s'il a voulu vraiment imiter Jules, c'est presque raté, on va dire, hein. Que ça soit la voix, que ça soit peut-être qu'il n'est pas arrivé, mais voilà, Jules, c'est pas trop comme ça, voilà, il a essayé, mais après je sais pas, peut-être c'est pas Jules, hein. Faire les classiques, on va faire les showcase, on va faire la malade. TikTok, frère, voilà, laissez-nous tranquille un peu. Cassez les bambins. Les rappeurs qui abusent aussi, il y en a, ils font trop de signes de nom. C'est cette équipe. Voilà, voilà, je l'ai dit en même temps, frère. Directement, signe de gang, c'est freeze, frère. Elles sont la secte. Il y a Gazo aussi. Bao. Signe de gang, bouteille de l'eau et je skip dedans. LMF, je suis un site dedans. Je fais des doutes pour le chiffre devant. Chut, 22, lève-moi, j'ai devant les 22. Tac tac, je suis des signes de fou. On dirait que je suis un principe de fou. Équipe, merci, si pour eux le rap ça paye. Bon, là je la remets, frère, j'ai kiffé. Chiffre devant, chut, 22, lève-moi, j'ai devant les 22. 22, tac tac, je suis des signes de fou. On dirait que je suis un principe de fou. Si pour eux le rap ça paye plus, frère. Franchement, t'as vu? Quand il a envie de faire Freeze, c'est un 10 sur 10. Quand il a envie de faire Zach, 10 sur 10, impliqué, pareil. Mais Jules, je pense, pas réussi. Il est absolument regrettable que ce talent avait. Bah oui! Parce qu'on a il peut faire traducteur de. Pour les langages des signes, frère. Tu connais les bails, chacal. Soit mis au service de propos absolument inqualifiables. Et après, moi, tu sais que j'aime bien les rappeurs, tu sais, qui se mélangent pas trop, qui sont vraiment en famille, tu sais, ils font leur truc tout le temps avec la même équipe. Ils se mélangent pas trop ou ils font pas de feat. Attends, on va voir ce qu'il veut dire par ça. Ouais, feat. Moi, j'aime vraiment bien ce truc de. Il vient de le dire, incroyable. Bon, il y a PNL. À part PNL, je vois pas qui ne fait pas de feat. Djadjinaz, ils font des feats, je crois. Je sais plus. Cette notion de tuer la famille, tu vois. PNL directement, frère. Là, c'est un démo, Zama. Joue sur la mélodie, trop joue sur le flow, tu vois, c'est leur point fort. PNL, je peux pas leur reprocher ça, frère. Après, faut faire attention à pas être trop que la famille, si tu vois ce que je veux dire. QLF. Le mariage, c'était pas incroyable, moi aussi, c'était très bien. Mais en vrai, t'as vu, on voulait te voir quand même avec Laurent, c'est leur famille, voilà, ouais, ouais. Dire. Justement, les gens te connaissent depuis que tu es tout petit, et ta meuf aussi en fait. Bah, on fait des recherches un peu, tu vois. Enfin, on n'est pas allé chercher bien, mais. C'est sa cousine, gros.
c'est un bâtard, on peut dire ça, frère. Zama, il s'est marié avec sa femme et sa femme, c'est la famille, tu vois. Non, mais il reste contre famille, c'est un malade. Les gars, il y a un quiproquo là, c'est pas vraiment ça. C'est en fait, de base, c'est que c'est la fille à la sœur à ma daronne. C'est la famille, tu vois. C'est la cousine, gros. Les gars, commencez pas à dire les trucs comme ça, après ça va tourner à la cité. Les frères, on est très heureux avec ma femme. On a formé une petite famille, peace, enda. Et le petit Gwendolin, il est super heureux, regardez. Il est en bonne santé. Mais gros, t'es là quand tu regardes le top single, c'est que des sons qui marchent de fou sur TikTok, genre. Ah ouais. Ça, c'est tarpin vrai, ça, depuis 2 ans, je crois. Ouais, depuis fin 2019, 2020, c'est bon. Tu perds sur TikTok, ta musique elle perd sur TikTok, c'est bon. Tu es en top 1 Spotify, top 1 Apple, tout ce que tu veux. C'est un truc de malade. C'est meilleur exemple, ça reste Weshden et Mohaka. Voilà, eux frères, directement. Bah, vous. Bon, les gars, le rap ça paye plus. Ouais. Il n'y a plus besoin de savoir rapper pour manger, ok? Les frères, vous voulez faire des versos ou pas? C'est sur TikTok qu'il faut le faire. Bah, les gars, c'est TikTok. Ok, il faut juste me suivre, les frères. Okay. Okay. Suivez-moi et on tue le game. Okay. Vas-y, les frères, let's go. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu lèves un bras, après tu fais ça. Tu te rapproches, encore plus proche. Snagez. Oh non, là. Non. Là par contre, à genoux, frère. Pour le TikTok, non, ouais. Non. Mais frère, on peut pas percer. C'est sans nous. Ah, c'est pour le TikTok. Oh, je suis gros, non. Quoi? Tout le temps, t'abuses, c'est bon. Tout le temps, j'abuse. C'est bon. Bon, la famille, t'as kiffé ou quoi? Si c'est le cas, tu peux mettre un petit like, t'abonner à la chaîne. Je mets le like. Ma grosse tête, là. Non, c'est même pas tu peux, en fait, c'est un ordre. Donc tu le fais, frérot. Tu le mérites, Jacques. Avec mon gars Raskas. Tu le mérites, Chacal. Je suis déjà abonné, activé la cloche, je connais. Mais le pouce bleu, on va le mettre maintenant. Et n'hésitez pas d'aller voir les amis, hein. Et même ma vidéo, de la partager, vous connaissez déjà. Donc voilà la mif. Vous avez vu, la vidéo de Théodore a été incroyable. J'ai kiffé, on était là, on a réagi, on a beaucoup rigolé aussi. Donc voilà, les imitations, c'était incroyable. Tu connais les bails. À part Jules, voilà, il y avait un petit quelque chose qui arrivait pas. En plus, quand tu es pas marseillais, c'est très très dur de faire l'accent et voilà. Bref, sinon c'était un sans faute, hein, à part Jules, je valide à mort. Donc c'est un 9 sur 10 si vous voulez une petite note pour ça, même un 9,5. Et voilà, c'était pour moi, j'ai kiffé, vous avez kiffé, on a kiffé ensemble. Prenez soin de vous les amis, on se voit à la prochaine, juste... Quand on s'envoie la prochaine, il faut que tu t'actives la cloche. Parce qu'il y en a toujours pas qui active la cloche. Bye-bye.